Dans les grands vignobles, c'est vrai, c'est la terre qui constitue le plus précieux des patrimoines. C'est elle qui donne toute sa noblesse au vin. C'est le terroir qui, sans qu'il soit besoin d'une baguette magique, transforme un domaine viticole en château. Nous passerons aussi sur le Glacinor, de l'autre côté du célèbre clocher de Saint-Émilion, pour découvrir l'ancien domaine de la Couperie. En 1955, il a été racheté par l'avionneur Marcel Dassault, qui lui a donné son nom, Château Dassault, et qui en a fait un grand cru classé autour de cette immense bâtisse de 1000 mètres carrés de style Second Empire. Alors ici, vous êtes au château d'Assaut, qui s'appelait avant château Couperie, qui est une propriété qui a appartenu à la famille Fourcault-Lossac dans les années 1860 et quelques. L'architecte qui a fait cette grosse maison bourgeoise est le même architecte qui a réalisé le château Cheval Blanc, parce que pour les raisons toutes simples, c'est que c'était les mêmes propriétaires, la famille Fourcault-Lossac. Un des frères a hérité du château Couperie et l'autre Cheval Blanc. Cette propriété, bon, ce château, j'y vis, j'ai la chance d'y vivre depuis 1972. J'y suis arrivée quand mon père a pris la direction du château. J'ai remplacé mon père en 1995, j'y habite encore. Quand on parle de château, ça, c'est vrai qu'au niveau du vin, c'est la marque derrière une bouteille. C'est important d'avoir le nom château, c'est la marque d'un cru. Quand on est rive gauche, souvent les propriétés sont plus importantes, sont des vrais grands châteaux. Ceci dit, les propriétés sont beaucoup plus importantes que chez nous. Mais les gens ne vivent pas dans les châteaux. Les gens vont vivre sur Bordeaux. Et le château est un lieu de réception. C'est un lieu où on invite, c'est un lieu où on reçoit. C'est pas un lieu où on habite. Mais ici, même une petite maison, c'est un château. Mais par contre, les gens vivent dedans. Et ça, c'est important. C'est un petit peu notre marque. On est là, on vit dedans, on accueille les gens. Les gens viennent manger à la maison, on y vit et on reçoit les gens. L'avantage de Saint-Émilion, c'est que c'est un jeu de terroirs différents. Saint-Émilion joue avec cinq terroirs entre le plateau calcaire, les côtes sud argilo-calcaire, les sables, les coteaux. Alors nous, je suis sur le coteau nord de l'appellation Saint-Émilion avec des glaciers anciens et certains recouvrements d'argile qui me font du bien, qui m'apportent. Oui, on fait partie de ce mélange de terroirs qui fait l'intérêt de cette appellation de Saint-Émilion. On est toujours obligé de faire des concessions avec le patrimoine viticole. D'abord pour plusieurs raisons, il faut savoir qu'on est ici dans une aire d'appellation d'origine contrôlée. Donc déjà, on ne peut pas faire ce que l'on veut par rapport à des plantations techniques, sans parler du végétal, mais plantations techniques qui sont des densités, qui sont des cépages également. Donc on a effectivement un cahier des charges qui est important. Et puis, c'est important aussi d'avoir... de ne pas changer radicalement les nouvelles plantations et les nouveaux travaux. Alors, cette hérédité, ce patrimoine, on est obligé de le faire évoluer, de les faire évoluer sur du long terme et même à court terme, c'est-à-dire chaque année, les parcelles vont être travaillées un petit peu différemment, notamment en fonction des conditions climatiques. Alors ici, on est sur une parcelle qui s'appelle la Brigitte, qui est la parcelle la plus âgée de la propriété en termes de date de plantation. Elle a été plantée en 1947. Les sols sont tous très anciens, mais ici, c'est une parcelle qui est un peu particulière. Pourquoi ? Parce que là, vous avez vraiment un mélange d'anciens pieds de vigne. Et également, on ne peut pas laisser une vigne
vieillir naturellement parce que vous avez des pieds qui meurent chaque année et donc il faut quand même avoir un potentiel optimum de production. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle ce qu'on fait une complantation et on va remplacer tous ces pieds morts chaque année ou tous les deux ans, ça dépend un peu du style de travail que l'on va faire. Le patrimoine de la propriété et le patrimoine du château d'Assaut, c'est bien évidemment, sans parler des bâtiments, c'est la propriété en elle-même, c'est-à-dire c'est les vignes et c'est le terroir, les terres sur lesquelles elle est plantée. Ça, c'est effectivement pourquoi ? Parce que, outre la présentation de la propriété que l'on voit plus facilement, qui est plus accessible par les bâtiments, par le château en lui-même, mais le patrimoine de la propriété, finalement, c'est ce que vous avez dans la bouteille, c'est ce que vous goûtez chaque année. Et ça, c'est quoi ? C'est effectivement, c'est la production, c'est les vignes, c'est le terroir, c'est le microclimat, c'est l'ensemble, ce qu'on appelle, nous, vraiment le terroir de la propriété. On est dans une région qui vient, il n'y a pas très longtemps, mais bon, le temps passe vite, ça fait déjà depuis 1999 qu'on est patrimoine de l'UNESCO au niveau de Saint-Émilion, mais du village et de son environnement viticole. Donc voilà, on en fait partie. C'est un patrimoine qu'il faut honorer, ça c'est sûr. C'est un patrimoine dont on est fier, c'est sûr. C'est un patrimoine qu'il faut préserver et qu'il faut transmettre. Alors, quand je dis transmettre, ça paraît logique, mais ça n'est pas, c'est pas si facile que ça. Et je crois que notre motivation et notre le passage qu'on a quand on est responsable d'un château comme Château d'Assaut, c'est on est que des témoins d'une époque. On nous a remis un patrimoine, un vécu, d'une propriété, et moi ce que j'ai envie, c'est faire tout pour que le jour où je partirai de cette propriété, transmettre à mes successeurs les meilleurs moyens de continuer à travailler pour continuer à produire des jolis vins. Patrimoine et terroir, pour moi, sont complètement liés l'un à l'autre. Le terroir est notre patrimoine. C'est peut-être lui qui est la plus grosse expression de notre patrimoine. Donc, quand on parle de patrimoine de l'UNESCO, on parle de paysage, etc. Paysage, oui, c'est beau, mais pour moi, ce qui est important, c'est la profondeur, c'est ce qu'il y a sous nos pieds, c'est le terroir, c'est cette complexité qu'on arrive à prendre, à extraire. C'est ça notre patrimoine. Sinon, ça aurait été trop simple. Ça aurait été le village de Saint-Émilion qui aurait été patrimoine de l'UNESCO. C'est très facile. Le village de Saint-Émilion, c'est magique, c'est beau. Vous rentrez dans les villages, c'est un beau village qui mérite d'être patrimoine de l'UNESCO. Mais pourquoi on ne l'a pas classé patrimoine de l'UNESCO ? Parce que plus important que le village, il y avait son terroir, son paysage viticole, et pour moi, son terroir qui est le plus important. C'est ça qu'il faut respecter, c'est ça que nous, quand on fait le vin, on n'a pas le droit de passer à côté. C'est on travaille le terroir.